Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow! Encore une histoire pas comme les autres, Union Scribon! Soyez prêts, mes frères et sœurs, soyez prêts, s'il vous plaît. Ne riez pas, c'est une histoire réelle. Merci, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, vous êtes Union Scribon et en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Assurément, vous le savez déjà. Yeah! Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Cette vidéo va vous permettre de comprendre que la sorcellerie là, ça existe bel et bien et il y a vraiment des sorciers. Un jour, il y a quelque chose de grave qui s'est passé ici. Et cette chose-là était tellement grave qu'elle s'est retrouvée sur Internet, sur YouTube. Si, pour ceux qui ne croient pas, cherchez. La vidéo est là sur YouTube. Vous n'allez pas me dire qu'on raconte des histoires ici. Tout ce qu'on vous dit ici, c'est bel et bien réel. Ah! Voici, des gens sont en train de dormir dans la maison. Et aux environs de minuit, on veut dire minuit, 1h du matin, ils attendent sur le toit, peut-être minuit, vers 4h, c'est-à-dire en minuit et 4h du matin, sur le toit, voici quelque chose qui va se passer. Ils attendent un bruit énorme, énormissime, comme si comment ça s'appelle là même? Dans les films là, souvent, on parle, nous parle des extraterrestres. Comme si des extraterrestres venaient d'atterrir, mes frères et sœurs. Les habitants de cette maison ont entendu un fort bruit sur le toit. Boum! Ah! Chérie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais peut-être que c'était sur les voisins. Dormons. Ils attendent encore les pas maintenant sur le toit là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Mais qu'est-ce qui ne va pas, mes frères et sœurs, selon vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Quand ce que arrive, le bruit continue. 6 heures arrivent, le bruit persiste. Que va-t-il se passer? Les habitants de cette maison vont maintenant se réveiller. Et bien j'hallucine ou quoi? Est-ce que mes yeux ont vu ce que j'ai vu? Ils regardent sur le toit et ils vont voir sur le toit qui? Une personne. Une personne. Sur le toit. Mes frères et sœurs. Une personne sur le toit. Automatiquement, ils ont alerté. Ils ont appelé les voisins. Venez voir! Oh, venez voir! Venez voir, venez voir, il y a quelque chose sur le toit ici. Ils regardent sur le toit. Ce qu'ils voient, ont vu, est tellement étonnant qu'ils ont encore... Les voisins ont appelé des voisins et les autres voisins ont appelé d'autres voisins. Au point où il y avait maintenant du monde. Tout le quartier était autour de cette maison. Mais qu'est-ce qui se trouvait sur le toit? Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous dire là, ce n'est pas des fables, ce n'est pas du fait, ce n'est pas de la blague. Ils ont trouvé sur le toit là-bas un homme, un humain. Et c'était une vieille femme, elle était nue. Hey! Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Sur le toit là. Et elle est bloquée. Elle est nue. Une femme, une grand-mère même.
Elle est nue sur le toit de la maison des gens. Comment tu as atterri là? Mais j'hallucine ou quoi? Dans quel monde sommes-nous? C'est une sorcière, mes frères et sœurs. Et elle atterrit sur le toit de la maison de quelqu'un. On ne sait pas comment. Que s'est-il passé? Franchement, on ne sait pas. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Bon, ok, c'est pour ceux qui ne croient pas trop, qui ne sont pas informés. Allez sur Jésus-Christ TV et cherchez cette vidéo. Cette vidéo, c'est tout en ce moment là-bas. Et si vous insistez, nous ferons une vidéo réaction sur Nyons Rubon 2 à ce sujet. Abonnez-vous et suivez-nous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Waouh! Waouh! C'est incroyable tout ce dont nous sommes en train de vous dire. C'est pour vous dire que la sorcellerie là, ça existe. Et toutes les choses mystiques dont nous sommes en train de vous raconter sur Nyons Rubon, ce n'est pas de la blague. Croyez sans avoir vu même. Même ce que nous venons de vous raconter là, vous pouvez voir. Si nous sommes de nous ferons une vidéo réaction sur ce sujet. Et nous vous rappelons également que notre nouvelle chaîne vient d'être ouverte, Seignance R1, et notre chaîne vient d'être débloquée. Waouh! Je vous laisse trouver ce qu'elle est sur cette chaîne là. Et nous ferons une vidéo pour vous dire quel est le miracle qui s'est aussi produit sur Seignance Rubon. Vous en saurez tout. La chaîne qui vient d'être débloquée est la première chaîne Nyons Rubon, c'est-à-dire où Nyons Rubon même n'était pas né là. La chaîne qui était créée avant même que Nyons Rubon soit né. C'est cette chaîne-là qui vient d'être débloquée. On avait perdu le contact avec cette chaîne à cause de tellement de problèmes qu'on avait rencontrés. On l'avait perdu, mais Dieu a permis qu'on récupère la chaîne hier seulement. Soyez prêts, vous saurez tout et vous verrez cette vidéo. Ça va être chaud. Ça va être chaud! Let's go! Si vous êtes content sur TV, sur TV! Parce qu'il y a des vraies choses qui arrivent et ça ne fait que commencer. Yeah! Là, nous nous préparons à aller sur les autres chaînes Nyons Rubon pour faire des vidéos. Soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Let's go! Wouh! Extraordinaire! Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux Nyons Rubon 1. Let's go!